c'est une équipe qui marque beaucoup en ce moment en plus. Mais ça, de manière générale, comme toutes les équipes que Richard Désiré a entraînées. Oh, attention, ça a coupé au premier poteau. Et là, voilà l'ouverture du score. Cet homme Renault qui marque son premier but. Cette saison qui débloque son compteur. Et au bout de 7 minutes de jeu, le Red Star est mené sur sa pelouse. Et attention, Mauro Hendoy qui a perdu ce ballon devant Jarju. Le bon tacle, on l'a vu, de Sparagna. La frappe à venir. Attention, la deuxième chance avec cet arrêt en deux temps de Paul Chariot. C'était l'œuvre notamment, cette frappe, eh bien, de Faïz Matoir. Quel souvenir il nous a laissé, lui qui a marqué le national de son empreinte la saison dernière. Oh, c'est bien fait vers Mauro Hendoy qui va décaler. Pape Meïssaba qui s'allume dans cette surface de réparation, qui a frappé, il a glissé. Mais le ballon a été retouché, ce sera un corner pour le Red Star. Vous voyez, il y a deux Odoniens pour trois Choletais. Le bon centre, la déviation, c'est bien fait. Pape Meïssaba, c'était vers Cher Hendoy qui va récupérer finalement ce ballon. Le bon centre venu de la droite. Oh, la reprise de Pape Meïssaba. Et en deuxième lap, c'est magnifique. L'égalisation de Mauro Hendoy. L'un des garçons, en tout cas, le plus irréprochable depuis le début de cette saison. C'est lui qui remet le Red Star dans le sens, eh bien, de son match. Un but partout désormais. Damien Durand qui va essayer de revenir dans l'axe. Il va surtout frapper directement avec ce ballon bien enveloppé, bien brossé. Et c'est ainsi d'ailleurs que se termine ce premier acte, cette première période entre le Red Star et le SO Cholet. On l'a dit, Vincent, un match équilibré, pour le moment on peut le dire, passionnant. Et c'est ce carton jaune qui avait déterminé, eh bien, de l'élimination des Sénégalais, qui étaient à égalité de points et égalité de différence de but aussi avec les Japonais. Attention à cette tête, elle est magnifique et elle permet au Red Star, justement, c'est lui, le druide, Cher Hendoy, il est... Eh bien, absolument fantastique ce Cher Hendoy, c'est lui qui permet au Red Star de mener 2 buts à 1, son troisième but cette saison. Il avait marqué contre l'US Orléans, contre le FC Chambly-Oise, et il marque aujourd'hui contre le SO Cholet. Oui, Cher Hendoy, c'est officiel, est immortel les amis. Avec le méoté, le petit extérieur pour décaler Sidi Bella, frappe en instantané, elle est magnifique. Et qui pour couper la trajectoire? Tout simplement Mamadou Guirassy. On vous en parlait, l'américain Mamadou Guirassy qui vient égaliser à 8 minutes de la fin pour le SO Cholet. Tout est relancé. Mon Cher Hendoy désormais à la baguette, qui va orienter vers El Riti. El Riti qui va essayer d'aller casser les lignes, qui distribue vers Mauro Hendoy. La frappe puissante, oh, pop, 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 pop. Le doublé pour Mauro Hendoy. Mais quel coup de canon, mais quel but de Mauro Hendoy, qui va mettre tout le monde d'accord et peut-être permettre au Red Star de récupérer 3 points. Oh, combien précieux. Oui, il l'a mérité. Oui, il l'a mérité, Mauro Hendoy. Cédric Dos Santos s'est adressé au staff odonien en 10 ans, mais qui sort? Qui sort? Et à ce moment-là, oh, attention, attention à Pape Meïssaba, il a essayé de redresser, et là voilà, le quatrième but, cette fois-ci, la cabane est tombée sur le chien, le Red Star va prendre 3 points, ô combien important, et en terminer avec une spirale négative, et peut-être enfin lancer sa saison.